Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une recette low waste, c'est-à-dire qu'on va faire le moins de déchets possible pour sauver la planète et réduire la faim sur la Terre. J'espère que cette recette va te plaire, elle est super originale et vraiment délicieuse. Voilà, dans la cuisine et c'est parti, commençons la recette. Donc nous allons avoir besoin d'une banane et d'une pomme de terre. Mesdames et messieurs, je vous présente les filochets de peau de banane au paprika fumé, des chips de peau de pomme de terre, une purée de pomme de terre à l'ail et une salade de kale aux tomates vertes. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Donc après avoir bien lavé notre pomme de terre, on va venir l'éplucher en faisant soigneusement de jolies lamelles dans la longueur. Puis on les met de côté dans un bol. Puis maintenant, nous allons découper des tronçons, des cubes de pommes de terre parce qu'on va la cuire. On fait des tronçons assez petits, comme ça, ça cuit beaucoup plus vite. Et dans une casserole, on verse de l'eau et un peu de sel pour faire cuire nos pommes de terre. Occupons-nous maintenant de nos belles épluchures que l'on va mariner dans de l'huile d'olive. On va un peu les masser pour mettre vraiment de l'huile partout. Puis une fois que l'eau bout, on va mettre nos cubes de pommes de terre et les laisser cuire une quinzaine de minutes. Occupons-nous maintenant de la banane. Alors j'ai bien lavé la peau de banane et puis maintenant on l'épluche. Pour cette recette, vu qu'on utilise la peau de la banane et qu'on va la manger, je vous conseille d'utiliser des bananes bio. Une fois notre banane épluchée, on va venir enlever de l'intérieur les petits filaments blancs qui se trouvent à l'intérieur de la peau de la banane. Puis, à l'aide d'une fourchette, on va venir créer les filochets. Tout simplement en grattant un peu plus fort avec la fourchette. Le visuel est déjà épatant. Le moment de la marinade avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de paprika fumé, une cuillère à café d'épices cajun et de cumin, quelques graines de coriandre, du sel et du poivre. On mélange bien le tout jusqu'à l'obtention d'une belle marinade qui va venir enrober nos effilochés de banane. J'ai rajouté juste une petite cuillère à café de tamari pour vraiment apporter un goût prononcé. Nos pommes de terre sont cuites, alors on peut passer à la purée. Donc on va tout simplement écraser les pommes de terre avec un petit peu d'eau et délayer, détendre si c'est trop épais. Une fois que notre purée est prête, on va découper une gousse d'ail et l'ajouter dans la purée. Je vous assure que de mettre de l'ail dans une purée de pommes de terre, c'est délicieux. Une pointe de noix de muscade, et là on a la meilleure purée du monde. C'est alors le moment de la cuisson de notre effiloché de peau de banane et de nos chips de peau de pommes de terre. Il faut compter entre 5 à 10 minutes pour les filochets et 10 à 15 minutes pour les chips de patates. On ajoute une belle cuillère à soupe de tomates concassées pour venir apporter de l'acidité et comme un liant et une pincée de sirop d'érable. Ça y est, nos chips de peau de pommes de terre commencent à être bien croustillantes. Et voilà, avec des choses qui seraient parties à la poubelle ou au compost, on peut faire un délicieux plat original et rempli de saveurs. Je vous assure, c'est un délice. Voici le résultat final. Je trouve ça assez sympa, avec des déchets normalement, donc est-ce que ça croustille? Ça croustille. La purée de pommes de terre à l'ail. Un classique délicieux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les peaux de banane. Les filochets de peaux de banane. Je goûte avec de la purée. C'est super bon. La texture, c'est sympa. On dirait... je sais pas quoi on dirait, mais c'est super bon. J'adore. Donc ouais, avec ce qu'on jette, on peut toujours faire quelque chose à manger et je trouve ça super intéressant de faire un plat extraordinaire avec des peaux de banane, des peaux de pommes de terre. Enfin, à vous de jouer maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées ou si vous voulez que j'essaye des recettes avec des aliments qu'on a l'habitude de jeter.